Aujourd'hui, je vais vous présenter trois idées de jeux pour animer votre baby shower. Notre kit bébé célébrité, le jeu miroir mon beau miroir avec vos photos de bébé d'invité, et également les pinatas avec une pinata spéciale baby shower. Bébé célébrité. Alors ça, c'est très simple. C'est un jeu qui cartonne. On vous envoie des photos de bébés quand ils étaient petits. Ici, vous avez Brad Pitt. Quand il était petit, vous pouvez les accrocher au mur, en faire une guirlande, ça sert entre guillemets de déco. Les photos sont numérotées, chaque invité a une carte réponse et donne ses idées. Voilà, est-ce que c'est Brad Pitt, est-ce que c'est Matt Damon? Il y a des filles, il y a des garçons. Voilà, c'est un jeu qui fonctionne bien, qui est sympa. Et vous pouvez aussi le décliner en version maison avec les photos de vos invités. Demandez à vos invités avant la fête de vous envoyer leurs photos quand ils étaient petits. Vous les numérotez, vous pouvez les afficher et faire deviner à vos invités les photos parmi les invités. C'est ce qu'on appelle le jeu miroir mon beau miroir. C'est vrai que c'est un jeu assez original et sympa qui vous permet de mettre la bonne humeur dans votre baby shower. Et le dernier jeu que je vous propose, c'est la Pinata Baby Shower, qui est très utile à l'étranger. C'est la seule qui existe en version Baby Shower, donc c'est un petit landau rose et bleu, donc qui fait un petit peu toutes les Baby Shower. Vous pouvez y mettre des surprises à l'intérieur. C'est une animation sympa pour les petits comme pour les grands. Et puis, ça peut être aussi utilisé si vous faites une révélation et vous voulez dire le jour de la baby shower le sexe de bébé, ce qui se fait de plus en plus. Si les confettis sont roses, par exemple, à l'intérieur, ou ce sont des choses plutôt pour les filles, c'est une fille. Et si vous faites la version garçon avec des petits accessoires bleus, des It's a Boy, voilà, vous pouvez le garnir facilement ici. Et là, il y a la petite anse pour suspendre la pinata. Donc c'est un jeu qui convient aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Je le conseille plutôt en extérieur. Voilà. Donc entre le jeu des petits pots, le jeu des biberons, le jeu du ruban, le quiz des bébés célébrités avec les photos des invités ou encore la pinata, vous avez 6 idées de jeux pour animer votre baby shower qui sont pas très onéreuses. Ça vient de quelques euros sur le jeu du ruban, une dizaine d'euros pour le jeu des délices ou des biberons puisqu'il y a quand même l'achat des petits pots, voilà, il y a un petit peu de matériel à avoir. Sur les biberons, ça peut être aussi un cadeau pour la future maman. Vous pouvez après les utiliser avec le bébé, donc c'est pas perdu. Et puis la pinata, comptez une quinzaine d'euros, vingtaine d'euros si vous la garnissez de bonbons It's a Boy, It's a Girl, voilà, ou d'autres petites choses.